Bonjour, opération filtration sur de l'essence que j'ai avec le mélange hein, avec l'huile depuis plus d'un mois. Je vais pas y arriver, il va falloir que je pose l'appareil. Ça fait bien 2 mois que j'ai le mélange tout prêt dans le bidon, il reste 1 litre et je vois qu'il y a du dépôt. J'aimerais le récupérer pour voir ce que c'est comme dépôt. Voilà, je peux continuer. Donc, j'essaye de faire remonter tout le dépôt. C'est un filtre à café hein, qu'il y a là. Comme ça, je pourrais au moins récupérer l'essence. Quitte à nettoyer le jerrycan après. J'aimerais bien que tout vienne. Ah, il y a pas mal de dépôts là-dedans. Hop là, vous avez vu? Et je suis obligé de faire comme ça pour pouvoir le découler du fond. Ah, là, je ziote un peu. Ah, ça va, c'est propre. Voilà, là c'est fini. Et voyons voir maintenant ce qu'il y avait comme dépôt. Et bien vous voyez. Alors imaginez ça dans le carbu. Pas top. Et il y en a pas mal. Hein. En plus ça fait des grosses... Bon, il y a des petits bouts. Et quelques-uns sont assez gros quand même. C'est dur. Alors vais-je pouvoir en récupérer un sur le bout du doigt? Là, voilà. Je me mets sur le blanc. Ah oui, c'est très dur. C'est dur, hein? Comme du tartre. Vous avez vu, ça roule sous les doigts, ben ça glisse, ça casse pas. Voilà, mon essence est propre, je vais pouvoir la récupérer. Comme quoi, donc le mélange, eh ben, faut pas le faire trop à l'avance. Comme prévu, puisque c'est ce qu'on disait. Sauf que là, vous l'avez en image. Alors, une autre vue de ces dépôts. Il y en avait beaucoup plus, hein, et vous avez vu, je les ai perdus. En faisant déborder. Voilà, ça c'est mort. Il y a quand même de sacrés gros bouts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dur. Et je pouvais essayer de le couper avec l'ongle pour voir. Voilà, ça se coupe en petits bouts. Et encore. C'est vraiment très très dur. Bon voilà, tout est dit. Donc, ne préparez pas trop le mélange d'avance. Au fait, c'est du sampon 95 que j'ai. Hein. Et de l'huile, c'est de la synthèse. Voilà.